んたの話が聞きたい。刑事さん、俺の声聞こえてる？聞こえてるよね。それがあんたが特別な人間である証拠だ。単に人を殺すだけならここまでやる必要はないでしょうから。なぜあんな殺し方したんですか？誰かから聞いたとか。催眠暗示か。可能性あるか。犯罪はいつも特別な意味があるように見える。大体無意味だ。そんなつもりはない。俺はただ犯罪を説明する言葉を探してる。この人はどうです？知らない。これはあなたですよ。外にある。その代わり俺自身は空っぽになった。Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Kiyoshi Kurosawa. Merci, merci beaucoup. Alors, Kiyoshi-san, encore merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 10e édition du Festival Toute la mémoire du monde. On avait consacré une rétrospective de votre œuvre, je crois, il y a une dizaine d'années, ici. Entre-temps, vous avez travaillé, beaucoup travaillé. Donc, il n'est pas impossible que d'ici quelques temps, on en fasse une autre. Alors là, le public vient de découvrir ou de redécouvrir Cure, qui est le film qui vous a fait connaître internationalement. Hier soir, on a eu la projection d'un de vos films qui n'était jamais sorti en France, qui avait été montré dans le cadre de votre rétrospective, mais qui entre-temps a été restauré. C'est un peu pour ça qu'il a été montré hier, qui était Le Gardien de l'Enfer. C'est un film que vous réalisez en 1992. Après votre période à la Nikatsu, et puis et vous faites ce film, donc est un film de à la fois une satire sociale et un film de terreur à petit budget. Et puis entre Le Gardien de l'Enfer 1992 et Cure 1997, il se passe donc 5 ans. Et qu'est-ce que vous faites entre les deux? Ah. Ah, 92年から何をやっていたのかな。その昨日お見せしたらしい地獄の警備員という映画、本当はあんまりやりたくなかったんですけどね、恥ずかしくて。その後僕はしばらく映画は撮れませんでした。で、1995年ぐらいからいわゆるヤクザ映画って非常に低予算のヤクザ日本では V シネマと呼ばれているんですけど、映画館で上映するのではなくてビデオでだけ出すヤクザ映画を1994年から何本も撮れるようになって、その中でほとんどそのヤクザ映画を撮っていた同じスタッフたちと撮ったのが「Cure」でした。Effectivement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire à partir de 1992 le film donc, qui a été présenté hier, qui était donc Les Gardiens de l'Enfer. À vrai dire, j'avais pas très envie de le montrer parce que j'assume pas tellement ce film. En tout cas, je trouve toujours un peu gênant de le montrer. Mais il se trouve qu'après ce film-là, j'ai eu des difficultés à refaire des films. Et donc, à partir de 1994, j'ai commencé à faire des films de Yakuza dans le circuit direct to video, c'est-à-dire ce sont des films qui ne sortent sortent pas en salle, mais qui vont directement dans le circuit de la vidéo à l'époque. Et donc j'ai fait des films de Yakuza, un certain nombre, on va dire, et avec l'équipe qui travaillait régulièrement avec moi sur ces films, j'ai finalement réalisé Cure en 1997. 17. ただ、そうか、今キュアをやったところなのかな。キュアについて、今日は喋りに来たのではなくて、どちらかというとその前にあったスポンティニアスコンバッションについて本当はいろいろ喋りたいと思ってきました。ちょっと交通の事情があってスポンティニアスコンバッションの上映前に挨拶本当はするはずだったんですけど、それができなくて、到着が遅れてしまったことは非常に残念です。Alors je sais qu'aujourd'hui je suis invitée ce soir en tout cas aussi pour parler de Cure que vous venez de voir, mais j'ai envie avant ça de vous toucher un mot de Spontaneous Combustion qui est le film de Tobe Hooper qui est passé cet après-midi, que je devais initialement présenter et malheureusement pour des raisons de transport liées aux manifestations notamment je n'ai pas pu être présent et je le regrette beaucoup. ですからちょっと本来はスポンティナスコンバッションの上映前になんとなくおしゃべりしようとしていたことを、簡単に、言わせてください。まずこのトビー・フーパーのこの映画このパリのシネマテイクで上映されたことにも本当に僕はこれのことに感激し、嬉しく思っています。Donc j'aimerais que vous m'accordiez juste la possibilité de m'exprimer sur ce film comme je voulais initialement le faire avant la projection. Donc voilà, d'abord je suis extrêmement heureux que ce film de Tobe Hooper ait eu la possibilité d'être projeté ici à la Cinémathèque de Paris. 本来でしたらトビー・フーパー、フーパーさん自身がここに来て挨拶するのが一番理想的だったでしょうし、もし生きていれば彼はそうしたかったと思います。僕は何度か会ってよく知ってるんですけども、残念ながら5年ぐらい前に急に亡くなってしまいました。Ce qui aurait été formidable, c'est que Tobe Hooper lui-même puisse venir présenter son film ici à la Cinémathèque. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé le faire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer un certain nombre de fois, je le connaissais. Malheureusement, il nous a quittés il y a 5 ans environ, mais sinon, je suis persuadée que vraiment, il aurait été le meilleur, évidemment, pour venir vous parler de son film. Il était venu ici pour parler de Mortuary. Ah, so desu ka. Ah, ja yokatta desu ne. That's nice. ただおそらくトビー・フーパーというとほとんどの方がテキサス・チェーンソー・マサカしか語らないほとんどそれしかない他の映画トビー・フーパーの作品はほとんどもう見もしないし語ることもないテキサス・チェーンソー・マサカ1本しか記憶に残っていない、そんな扱いなのではないかと思います。Mais je pense que quand on prononce le nom de Tobe Hooper, la majorité d'entre nous ne pense qu'à un film, c'est Massacre à la tronçonneuse, évidemment, et il est surtout connu pour ce film-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu d'autres choses de lui, d'autres films de lui. しかし、もちろんテキサス・チェーンソー・マサカーというのは素晴らしい作品ですけども、彼はそれだけではない、本当にアメリカのいわゆる B 級ホラー映画みたいなジャンルの可能性をいろいろに探って、本当に豊かな、複雑なフィルムグラフィーを実は築いていった人なんですね。Tobe Hooper est en réalité un cinéaste qui a vraiment exploré, on va dire, toute l'amplitude des films de série B d'horreur aux États-Unis. Et donc, il a une filmographie qui est en réalité extrêmement diversifiée et extrêmement, voilà, oui, diversifiée. で彼自身もこのホラー映画というジャンルが好きでいる。それをやってきたけども本当はいろいろな種類の映画が撮りたいんだとただそればっかりやってるともうその専門家のようになってもうその企画しか自分はもう撮れなくなってしまっているんだけども本当はいろいろな種類の映画が撮りたい映画がたくさんあるんだと結構悲しそうな顔をして僕に語っていたのを覚えています。Et je me souviens qu'il m'avait raconté que, à partir du moment où, voilà, il aimait effectivement les films d'horreur, qu'il en avait réalisé un certain nombre. Finalement, il avait été un peu catalogué spécialiste des films d'horreur, mais qu'en réalité, il aurait eu très envie de faire autre chose. Que le fait d'être devenu un peu spécialiste faisait qu'on ne lui proposait plus que des projets comme cela, mais que, si possible, il aurait aimé pouvoir réaliser autre chose. 1970年代の B 級アメリカンホラー映画が生んだ、まあ偉大な作家たち、例えばデイビッド・クローネンバーグとかジョン・カーペンターとかと全く引けを取らない人と並び称されるべき、偉大な映画作家だとトビー・フーパーのことを考えていますので、ぜひ皆さんこれを機会に彼の作品もっともっと見て語ってやってください。よろしくお願いします。Et à mon sens, Tobe Hooper est vraiment un des auteurs, je pense, dont le nom pourrait vraiment côtoyer ceux de David Cronenberg, par exemple, ou John Carpenter, qui sont probablement plus connus et reconnus que lui. Mais à mon sens, c'est vraiment un des auteurs voilà, éminents, on va dire, de tous ces cinéastes qui ont réalisé des films d'horreur aux États-Unis à partir des années 70. Donc je vous encourage vraiment à aller explorer un peu plus sa filmographie et à parler de lui. Alors en découvrant justement cet après-midi Combustion spontanée, enfin Spontaneous Combustion, puisque le film n'est pas sorti en France, en salle en tout cas, j'ai pensé un peu à Cure. Alors peut-être que c'est une pure spéculation de ma part, puisque c'est l'histoire d'un personnage, le personnage joué par Brad Dourif, qui enflamme finalement tous les gens qu'il côtoie. Et c'est un peu comme le personnage de l'étudiant hypnotiseur qui transforme en criminel tous les gens qu'il croise. Est-ce que c'est une spéculation qui repose sur le vide, ou bien est-ce que cette idée de contamination, quand même, c'est aussi ce qui vous avait plu dans le film de Tobe Hooper? なるほど。いや非常に面白い指摘ですね。全然、考えたことはなかったですけど、多分知らないうちにトビー・フーパーの影響は強く受けているんだろうと思います。C'est très intéressant. J'avais jamais vu les choses, on va dire, sous cet angle-là, mais il est évident que, aimant Tobe Hooper, j'ai sûrement été influencé par son travail. おっしゃる通り、まあキュアがどこまでスポンティニアス・コンバッションに迫れているかは分かりませんけども、本当に小さなスポンティニアスコンバッションですけども、本当にある一人の人間のこの本当悲劇を描いているんですが、それがその世界全体にこうあっという間に広まっていくっていう恐ろしさ、凄さみたいなものはキュアでどっか真似したいなと思ったことの一つでした。Je ne sais pas dans quelle mesure Cure peut être rapproché de Spontaneous Combustion, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux films, mais en tout cas, quelque part, l'histoire de Spontaneous Combustion, c'est un petit drame individuel, finalement, qui va effectivement contaminer le monde entier. Or, je pense que cette question de la contagion, en effet, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressée à l'époque quand j'avais vu le film, et que peut-être j'ai eu envie d'explorer dans Cure aussi. Est-ce qu'on peut dire que finalement ce qui vous intéresse dans le film cinéma de terreur, c'est moins les effets de terreur en eux-mêmes, encore parce que les vôtres en fait sont très différents de ceux du cinéma américain, enfin de séries, mais là on reparlera peut-être un peu de votre mise en scène, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est là que se trouvent déclinés des motifs qu'on ne trouvera pas ailleurs ? Et qu'on peut en même temps faire correspondre à des choses très réelles. おっしゃる通りですね。僕ももともとホラー映画が好きで、ホラー映画を作り始めたわけですけども、やっぱり映画って、いくらホラーといってもある種のその現実の世界の中にそれを定着させなければいけないわけですね。ただ文字で書いてるだけじゃない、絵を描いてるだけじゃない、本当の街の中で生きた人間がある、まあ、恐ろしい目に遭う。すると頭の中で、悪夢のように空想していたものを、まあ、どうやって現実の世界と社会と関係を持つんだろうということを、まあ、考えざるを得ないですよね。するとそれまで見えてこなかったいろんな社会の問題とか、世界のさまざまな様子がホラーというちょっと突飛な設定を使うことによってなんか全然違う角度で見えてきたりするっていうことは何度も経験しました。Évidemment, si j'ai réalisé moi-même des films d'horreur, c'est parce que j'aimais les films d'horreur au départ, à l'origine. Je crois que ce que je trouve intéressant finalement dans le fait d'en réaliser, c'est aussi qu'en effet, il faut malgré tout que ça s'inscrive dans une certaine réalité. C'est-à-dire que l'horreur ne peut pas survenir de nulle part, elle doit être connectée avec une certaine réalité. C'est-à-dire il ne s'agit pas simplement là de mots ou d'un dessin. Il faut mettre en image quelque part tout l'univers horrifique qu'on a en tête, il faut matériellement en faire des images mouvantes, on va dire. Et donc pour ça, il faut quelque part que la question de l'angoisse, elle soit ancrée à la fois dans la société réelle, et c'est intéressant de toujours chercher les connexions, de savoir comment, à quel endroit ça se rattache. Et puis aussi, je trouve que la question de l'horreur permet aussi quelque part à la fois de soulever des questions qu'on s'était peut-être pas posées, et aussi d'avoir un angle de vue, un regard, on va dire, qui va être quelque part différent et que l'on n'aurait peut-être pas spontanément eu si on n'avait pas traité la question de l'horreur dans le film. ですから、例えばCureでもなんか当時の日本の社会のになんか蔓延しているなんかこう闇の部分を描くためにああいうなんか恐ろしい殺人の連鎖を考えたのではなくて逆なんですね。こんな恐ろしい殺人がの連鎖があったらどんなに面白いだろうと発想したとこから、まあ、日本の社会のまあいろんな闇が勝手に出てきたという実は作る時はそういう逆の風に作られていったというのが本当のところです。Et par exemple pour Cure, à l'origine du projet, il n'y avait pas une volonté de ma part quelque part de mettre en lumière la noirceur ou la partie ombragée de la société japonaise qui éventuellement aurait donné naissance à un criminel comme celui qu'on peut voir dans Cure. C'était plutôt l'inverse, c'était se dire et s'il y avait un criminel et pareil une espèce de contagion de crime comme ça qui se perpétrait dans la société, qu'est-ce que ça mettrait en lumière? Et c'est à ce moment-là finalement que se sont révélés finalement assez naturellement les parties, les zones d'ombre on va dire de la société japonaise. C'est plutôt dans ce sens-là que les choses se sont faites. Alors, là, vous avez dit tout à l'heure que Spontaneous Combustion, pardon, c'est difficile à dire, c'était un drame personnel, individuel, qui contaminait le monde, qui touchait le monde entier, qui faisait finalement exploser le monde entier. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que un peu la même chose de Cure? Cure, c'est un drame conjugal. C'est un personnage, un homme, qui ne veut pas s'avouer qu'il veut tuer sa femme, et donc il invente cet assassin, hypnotiseur, etc. Mais en fait, profondément, il y a le désir d'annihiler sa femme. Comme d'ailleurs, et c'est une situation qui se retrouve dans d'autres de vos films, comme Séance, par exemple, ou bien Rétribution. La conjugalité et la pulsion de mort, quoi. いやいや、それを聞いて僕からどんな答えを期待したいのかしら。Je me demande quel genre de réponse vous attendez de moi à ce type de question. 映画だけの話ですからね。Nous ne parlons que de cinéma, nous sommes d'accord. ただいやこれは映画だけの映画のまあフィクションの物語としてそうですね夫婦の関係っていうのはまあ僕はやっぱり非常に興味深くてよく僕の映画に。登場します。多分その一番きっかけになったのはやっぱりキュアだろうと思うんですね。最初は夫婦の物語をキュアで、に導入するつもりは実は全くなかったんです。ただ本当は刑事がああいう恐ろしい殺人をただ捜査するだけの話にしたかったんですが、どうもそれだと何かが足りないような気がして、思い切って主人公の刑事の奥さんという人を設定してみたら急に物語が僕が予想していたのと全く違う方向に発展していたという流れがありました。Nous ne parlons donc que de cinéma. On est bien d'accord, mais en tout cas pour Cure, Je crois que la question du couple m'intéresse pour ce qu'elle révèle en effet, et donc c'est un motif assez récurrent dans mes films, effectivement. Pour Cure, au départ, c'était pas mon intention, c'est-à-dire au départ ça ne devait être que l'histoire de cet inspecteur qui enquête sur un tueur en série, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose, j'avais envie d'ajouter quelque chose, et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas quelque part créer le personnage de la femme de l'inspecteur, et à partir du moment où ce personnage a été créé, j'ai eu le sentiment que ça avait donné vraiment à la fois une nouvelle ampleur à l'histoire et puis aussi vraiment une direction. Et donc, voilà, en tout cas, ce n'était pas quelque chose que j'imaginais au tout début du projet. こう結構夫婦の関係というか全然別なドラマが進行している時に、一方で夫婦という関係が並行して描かれるというような作品が僕の中で結構多くなってきました。多分一番身近なところにいて最も信頼できる関係でありながらよく考えると全く他人ですから相手のことを 実は完全に理解できていないところが次々と出てきてしまうそういうこう危機にも直面できるこう何とも安定と不安定をこう行ったり来たりできる本当に不思議な関係だなと思っていつも夫婦関係は映画の中に取り入れています。 Et c'est vrai que c'est à partir de Cure que le couple est devenu un motif assez récurrent, il me semble, dans ma filmographie. Je crois que le rapport de couple m'intéresse en cela que à la fois le conjoint est celui en qui, quelque part, on a une confiance quasi absolue, c'est quelqu'un avec qui on partage une intimité importante, et en même temps, ça reste un parfait étranger au départ, et donc on ne peut jamais totalement comprendre, totalement accéder à, on va dire, à ce qu'est l'autre, à ses pensées, etc. Et donc, il y a ce danger, quelque part, de ne pas connaître, ce danger de l'inconnu. Et c'est un rapport qui est à la fois, qui oscille vraiment entre la stabilité et l'instabilité. Et donc, je crois que ce qui m'intéresse, c'est précisément voilà, cette dualité-là. Et donc, à partir de là, le couple, en effet, est quasi systématiquement, je pense, en parallèle de l'intrigue principale, il y a assez souvent l'histoire d'un couple, le motif du couple. On peut même se dire que le motif du couple, le couple est entendu au sens large, puisqu'à vite, je parle de la scène avec les deux policiers qui vivent ensemble dans leur guérite, etc. C'est une forme de couple, alors évidemment pas amoureux, mais pas sentimental, mais c'est l'autre. Le couple, c'est l'idée de vivre avec un autre totalement autre, et de vouloir parfois s'en débarrasser. Quand je parle des deux policiers. ドラマとプライベートな話は全く関係ないですからね。ドラマとしてはもう非常に面白い普遍的なモチーフだろうと思います。 Une fois de plus, on ne parle absolument pas de ma vie privée, mais en effet, la relation de couple est quelque chose d'assez universel, il me semble. ただ一方でこれちょっと話がそれてしまうかもしれませんけど、本当は理想的には映画のドラマは刑事がいて犯人がいたらもうある犯罪があって刑事がただその犯人を捕まえる犯人は逃げるそれだけで面白い映画が一本撮れてしまうのが本当は理想なんだろうなと思っています。これは多分明日 の夜上映されるリチャード・フライシャーの映画はまさにその典型で夫婦の物語なんか全く入れなくても映画はもう十分面白くなるということを証明していますね。明日の映画ですけど。 Après, je crois qu'il y a quelque part en effet l'intérêt de la relation de couple et de ce que ça peut apporter, et en même temps dans le cas d'un film comme Cure par exemple, il y a quelque part un coupable, un policier, et on devrait pouvoir faire un film finalement simplement autour de ces deux personnages-là, c'est-à-dire une intrigue policière classique avec un meurtrier, le meurtrier s'enfuit, le policier est à ses trousses, et l'idéal peut-être, ce serait de pouvoir faire un film qui ne tienne qu'à ça. Je crois par exemple que c'est le cas du film de Richard Fleischer qui va être projeté demain. Lui, je pense qu'il a vraiment prouvé que c'était possible de ne faire un film qu'avec ce matériau-là, qui est finalement la relation entre deux personnages qui se suffit à elle-même quelque part pour faire fiction. Alors, avec Cure, on vous a dit, enfin, c'est le film avec lequel on vous découvre, mais on découvre un cinéaste qui construit la terreur sur, sur un concept. L'histoire de ce hypnotiseur qui engendre des assassins en série, etc. Mais il y a peu de temps après, vous tournez le film qui s'appelle Charisma, qui imagine qu'un arbre qui ne vit qu'en détruisant tous les arbres autour de lui, métaphore peut-être de ce qu'on parlait, de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la négation de l'être pour voilà, la négation de l'autre, quoi, comme condition de la survie. Et alors, quand on voit Cure, on pense à un autre cinéaste qui vous a précédé en fait, qui est un cinéaste qui a fait des films de terreur, dont on a montré les films il y a quelques semaines, on a fait une rétrospective, qui est aussi un cinéaste qui construisait ces histoires sur des concepts, sur des hypothèses. C'est Larry Cohen. Et je sais que dans votre livre d'entretien avec Makoto Shinozaki, vous avez avoué ne pas avoir vu le film, mais on a ici ouvert la rétrospective Larry Cohen avec un film qui s'appelle God Told Me To, Meurtre sous contrôle, qui imaginait, c'était presque la même histoire que Cure, c'est-à-dire que cette fois-ci c'était un extraterrestre que tout le monde prenait pour le Christ, qui incitait des gens à commettre des meurtres. Et Larry Cohen est quelqu'un qui a inventé comme ça, qui a écrit comme ça des histoires construites sur des hypothèses un peu abstraites. Et je pense que celui qui continue ce travail-là aujourd'hui, c'est Night Shyamalan, qui est aussi quelqu'un qui va construire des histoires à partir d'hypothèses posées au départ et à partir desquelles on va déployer le récit, la fiction et les effets de terreur. Alors vous êtes beaucoup moins sentimental que Shyamalan dans vos films. なるほど。いや、ちょっとラリー・コエンの名前が突然出てきてびっくりしました。一時結構たくさん日本でも公開されて好きで見ていたんですけど、まだもう死んでしまったのか今どうしてるのかちょっと全然わかんないんですけど、ラリー・コーエンってまあほとんどの方は知らないかもしれませんけど、1980年代ぐらいに非常に低予算のホラー映画をたくさん作ったまあアメリカの監督なんですけどね。一時好きでした。うんけど忘れちゃったな。なんだっけかな。急に振られてちょっと戸惑ってます。Là, je perds un peu mes moyens parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que le nom de Larry Cohen soit évoqué ici ce soir. Et donc, à la fois, ça m'évoque des souvenirs parce qu'en effet, il y a une période où j'ai vu ces films, je les ai beaucoup aimés. Il y en a peut-être parmi vous qui ne connaissent pas très bien ce réalisateur. On a fait une rétrospective hein, il y a 3 semaines. Hein, donc ils doivent connaître. Mais dans les années 80, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de films à très petit budget et dont les films voilà, sont peut-être pas aussi connus que d'autres réalisateurs de sa génération en tout cas. シャマランの名前も出て、ただ僕その辺さすがジャン・フランソワほど分析的にその辺が見れていないのですけれども、僕の中の感覚としては。そういう非常にその何ですかね、まあ、大きな意味でホラーというジャンルの中でいろいろな実験的なこといろいろなアートっぽいこといろんなことをやる人たちの中で僕はやっぱりとはいえその非常にオーソドックスなその映画の基本のようなもの映画のスタンダードのようなものをどこかでこうしっかり守り、実はそれをかなり変形したとしても、その映画の基本形を実現しようとしている監督に惹かれます。全てをもう壊して、全て自由なんだ、壊してしまえというんではなくて、実はものすごく映画の基本に忠実であろうとする監督、まあその代表が僕はトビー・フーパーだと思うんですけども、実はそういう人にシャマランはどっちなのかな。ラリー・コーエンは明らかに僕はかなり大胆なことをやっていても非常に基本的なことに忠実な人だと思ってます。Le nom de Night Shyamalan a aussi été évoqué. Alors, je dirais que d'une part, j'ai pas un regard aussi analytique que le vôtre, sans doute, sur le cinéma d'horreur, mais sur le cinéma en général. Et donc, j'ai pas forcément, on va dire, les outils pour analyser aussi finement que vous. Je dirais que peut-être dans le cinéma d'horreur, qui est un genre assez large, il y a quand même un spectre qui peut aller de films qui sont soit très expérimentaux à des films qui sont plus artistes. Oui, artistique, on va dire, ou des choses qui sont beaucoup plus classiques, etc. De mon côté, je crois que mon cœur va plutôt vers les films de réalisateurs qui ont toujours très à cœur de respecter peut-être les fondamentaux du cinéma, les fondamentaux des films, c'est-à-dire des codes on va dire, qui font quelque part un film dans son plus grand classicisme. Je crois que Tobe Hooper est peut-être un des meilleurs représentants de ça, c'est-à-dire qu'il peut prendre de très grandes libertés et en même temps il va toujours rester très fidèle, on va dire très loyal aux fondamentaux, aux standards quoi, on va dire, et je crois que ça me plaît. Shyamalan, je ne sais pas trop de quel côté il se situe par rapport à ça, mais en tout cas moi, mon goût va plutôt vers des réalisateurs qui sont, on va dire, plus proches, voilà, de l'académisme quelque part. Alors, 話題で一つ僕会って何度か会って話してるんですけども、ロサンゼルスで彼と会って初めて会って話した時の彼に聞いた彼の答えを今から言いますね。まず本当に彼はアメリカで、ね、監督の友達というのは本当に少ない、ほとんど分かり合える同業者はほとんどいないと言っていましたが、ただ一人会っていろいろ喋って、あすごく心が通じる、自分と似たものが感じる、まあ、向こうもそう思い非常に打ち解けた監督が一人だけいたと。誰だって言うとベルナルド・ベルトルッチだと彼は言ってました。Là, j'ai à nouveau envie de vous parler de Tobe Hooper et peut-être de la première conversation qu'on a eue, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à Los Angeles et donc je lui ai posé des questions et là j'ai envie de vous livrer la réponse qu'il m'avait faite. Il m'avait raconté que, on va dire, aux États-Unis, parmi les cinéastes, on va dire, de sa génération et même un peu plus largement, il y avait très peu finalement de réalisateurs avec lesquels il se sentait une accointance, dont il se sentait proche, avec lesquels il avait le sentiment de pouvoir discuter et de parler des mêmes choses, d'avoir la même conception des choses, peut-être la même vision des choses. Mais il m'avait dit, il y en a un avec qui, quand on converse, j'ai l'impression que voilà, on est un peu du même sérail, c'est Bernardo Bertolucci. 会ったことはなくても尊敬する監督は誰なんですかと聞いたら、これはもうすぐに答えたのは、これ本当にリチャード・フライシャーとロバート・ワイズであるという答えました。すごくないですかこれ。Et donc, je m'attendais tellement pas à ce qu'il me cite ce nom, quelque part, que j'ai eu envie de lui poser tout de suite une autre question qui était, d'accord, et dans ce cas, s'il y a des cinéastes que vous admirez, dont vous admirez le travail et dont vous voudriez quelque part vous rapprocher, ce serait qui? Et là, il m'avait dit, c'est Richard Fleischer et Robert Wise. Et quelque part, j'avais été assez sidérée par cette réponse. Vous ne trouvez pas ça incroyable? いやもうこれ聞いて僕はもう完全にトビー・フーパーさんにもう心酔しまして、あこの人本当に芸術家でもあり一方で職人でもあろうとした、その両方を映画でやろうとした人なんだなということが分かったんですね。Et quand il m'a fait cette réponse, je crois que je suis définitivement devenue un adorateur de Tobe Hooper, parce que je me suis dit, à la fois, il a cette dimension artistique et en même temps, il a envie d'être un artisan du cinéma. Et donc, je crois que ces deux dimensions-là faisaient de lui, pour moi, vraiment la personne que j'avais, enfin que j'admirais énormément. On a vraiment compris que vous admiriez Tobe Hooper. Et en fait, finalement, quand on voit Cure, mais finalement, c'est comme quand on a découvert Massacre à la tronçonneuse, on a découvert des films qui faisaient peur, étaient extrêmement angoissants, pour des raisons assez différentes, mais surtout parce que, à la fois, Tobe Hooper, mais vous-même dans Cure, vous utilisiez une rhétorique dans la mise en scène qu'on n'avait jamais vue. Alors vous dites, c'est un peu, il faut garder du classicisme, éviter, éviter les effets de terreur simplistes, etc. Par exemple, dans Tobe Hooper, dans Massacre à la tronçonneuse, la scène où la fille est emmenée comme ça par Leatherface et derrière une porte qui se ferme, on n'avait jamais vu ça. Et c'était très terrifiant. Et dans vos films aussi, on assiste à il y a des situations ou une manière de filmer des situations qui est totalement nouvelle. Vous avez peur, on a l'impression que vous ne voulez pas diriger le regard du spectateur, que quelque chose va se passer, que vous saisissez dans sa durée, et c'est le fait qu'il... Et avant même qu'il se passe quelque chose, et parfois il ne se passe rien, c'est juste une forme en profondeur de champ qui est inquiétante dans vos films, avec un plan qui dure, même s'il ne se passe rien... On a peur. Et vous le faites avec des effets qui ne sont pas du tout les effets, disons, d'un cinéma de terreur, du samedi soir, avec une musique tout d'un coup qui monte, un regard du spectateur qui doit être dirigé tout de suite vers là ou là. Est-ce qu'il y a ce travail-là dans Cure? Est-ce que vous avez eu conscience de faire ce travail-là? テキサスチェーンソーマサカーであっても実はそんなに残酷なシーンがあるわけではないんですね。今おっしゃった通り、ドアがバタンと閉まって中はもう見えなくなって中で何が行われているのかよくわからないけど、ドアを映しただけでも恐ろしい感じがするという非常にそういうのを僕参考にしてなるべく最小限のものしか映さず、どうやって見ている方が想像の中で頭の中で何か恐ろしいことをあれこれ、作り上げてくれるかというようなことはいろいろ楽しんであれこれやってみた映画です。確かにそうですね。ただ時々はやっぱり映しましたね。全く映さないというのは何かお客さんに対してこう失礼な気がしたので、ほんの少しだけはやはりこういうことが行われていますというのをこうところどころでは見せつつ、全体は見せようと思っても見せられないんですけども、想像してもらうしかないというふうにして作っていったような記憶があります。Comme vous le disiez, je crois qu'il y a une certaine angoisse qui naît du fait de ne pas voir ou de ne pas savoir ce qui se passe. Et donc vous citiez la scène dans Massacre à la tronçonneuse où en effet la porte se ferme et on ne sait plus ce qui se passe. Et donc le simple fait de filmer cette porte derrière laquelle il se passe quelque chose, mais quelque chose qu'on ne peut pas voir, ça génère un sentiment d'anxiété. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, auquel j'ai fait attention aussi pour Cure, c'est-à-dire... en montrer quelque part le moins possible pour susciter l'imaginaire, l'imagination du spectateur. Et en même temps, je ne pouvais pas ne rien montrer du tout. C'est-à-dire, ne serait-ce que vis-à-vis du spectateur, j'avais le sentiment que, quelque part, je leur manquerais un peu de respect si je ne montrais rien. Donc, il y a évidemment, par endroit, quelque part, pour que le spectateur comprenne à peu près ce qui se joue et ce qu'il en est, des choses qui sont montrées. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que je me suis beaucoup amusée, quelque part, à dissimuler aussi un certain nombre de choses pour attiser, effectivement, l'imaginaire de ceux qui voient le film. これはもう僕何度やっても難しいなと思うのは分かりやすく怖くすることは簡単なんですけども怖いか怖くないか本当に観客の判断に任せるという作り方をすると全然怖くない人もたくさん出てくるんですね。下手すると笑ってしまう。だから怖いっていうのは映画の怖い表現っていうのは強烈にやればストレートに伝わるんですけども微妙にやってもすぐ消えていってしまう怖い音楽を流せば怖いってすぐ分かるんですけど、音楽を全然流さないと怖いのか怖くないのかよく分からない、なんか曖昧なものになってしまって、ちょっと楽しい音楽を流したら一気にコメディになってしまう。怖さというのは実はすごく移ろいやすい、映画の中で慎重に扱わないともうすぐどっか行ってしまうものなんだなというのは作って実感しています。Cela dit, je crois que l'angoisse, c'est quelque chose, on va dire, d'assez évanescent quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, si on force un peu le trait de l'horreur, les gens vont avoir peur. On vous évoquait la musique tout à l'heure, une musique angoissante, ça angoisse. Et puis, aller, en effet, en tirant un peu le trait, on va dire, dans les codes du film d'horreur, ça fonctionne. C'est-à-dire le spectateur sait qu'il va avoir peur et donc il peut avoir peur quelque part en toute confiance, tandis que quand c'est plus subtil, quelque part le spectateur est toujours sur la tangente, c'est-à-dire s'il n'y a pas de musique, il se demande en fait s'il va avoir peur ou pas, et si c'est un peu raté, ça peut le faire rire, c'est-à-dire si à ce moment-là, par exemple, on mettait de la musique un peu joyeuse, on pourrait tout à fait tomber dans la comédie. Et donc il y a quelque chose d'assez subtil. Il faut faire attention quand même avec la subtilité, parce que sinon on peut quelque part complètement perdre cette dimension horrifique, et il y a ce risque-là en tant que réalisateur de films d'horreur, c'est-à-dire qu'on peut ne pas faire peur du tout en ayant voulu aller un peu trop loin dans la subtilité de l'angoisse. Oui, en même temps, il y a une scène qui est absolument terrifiante dans le film. C'est la scène où parce qu'il y a de la familiarité, en fait. C'est une scène qui commence par presque des faits de la vie quotidienne. C'est le travail des deux policiers. Ils sont ensemble, ils travaillent, ils prennent le courrier, etc. Et tout d'un coup, et ça, c'est dans un plan. Il y en a un qui sort son pistolet et qui abat son collègue. Un mauvais cinéaste aurait fait un gros plan sur la main qui prend le pistolet, il y aurait une musique qui aurait comme ça enflé, etc. Et là, effectivement, c'est pas angoissant parce qu'il n'y a rien qui est censé l'être. Et à la fin de la scène, on est absolument terrifié parce que la mort est venue de quelque chose d'extrêmement familier et quotidien et banal. Et vous faites souvent ça dans vos films. Enfin, c'est une manière chez vous d'installer la terreur assez fréquente dans votre cinéma. はい、ありがとうございます。まさにあれはギリギリこれ本当に大丈夫なのかなと思ったんですけど、まあああいうように撮りました。キュアでは一応撮り方、撮影の仕方として怖いシーンであれ怖くないシーンであれ、特に区別をつけない、撮り方をしようというのが一つのコンセプトでしたので、あれも別に怖い、これは怖いショットですよというふうには全く見せず、まあその中で普通に殺人が起こるというふうにしたんですけど、大変でした。ショット撮るのいいですか言って、ご覧になったことは覚えてるかもしれませんけど、ワンカットでずっと長く回して、撃たれた人がバタッと倒れて、だんだん血が出てくるんですけども、どうやって血を出しているかなんですけど、今だったらコンピューターグラフィックスで合成もできるんですから、あの頃そういうのないので、下にちょっと草むらがあるんで、背の低い草が生えてる、そこの脇に奥から来た撃たれる男が立つんですけど、草むらに、助監督が隠れていて、奥から来た男の警官、実は足元から頭まで管が通っていて、その足元の管にその隠れている助監督がホースをパッと刺すんですよ。刺した瞬間、そのホースの先にポンプがあって血がピューッとで彼のここまで来て、だから彼はバタンと倒れるんですけど、するとその頭から血が出るという、ずっと助監督はそこに隠れているっていう、まあそういう撮影が行われました。Oui, c'est vraiment parfait que vous choisissiez cette séquence, enfin de parler de cette séquence, parce que en effet pour Cure, il y avait un concept au départ, c'était de filmer les scènes d'horreur et les autres scènes exactement de la même manière, sans les distinguer du tout, c'est-à-dire vraiment tout filmer finalement d'un même tenant, sans distinguer ce qui devait être angoissant et ne pas l'être. En tout cas, ça ne devait pas transparaître à travers la mise en scène à proprement parler. Et cette scène a été très difficile à tourner parce que donc il y a ces deux hommes en effet, et vous avez vu le film, donc vous vous en souvenez probablement. Le plus jeune des deux, celui qui va se faire abattre, avance et puis il se fait tirer dessus, et donc tout d'un coup il s'effondre, et quand il s'effondre, il y a une mare de sang qui se forme autour de sa tête. Et donc aujourd'hui ça serait plus simple parce qu'avec les effets spéciaux sur ordinateur on peut tout faire, on peut faire surgir comme ça une flaque de sang autour de la tête d'un personnage, mais à l'époque ça n'existait pas. Et donc il y a toute une astuce très complexe, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a comme des petits buissons, des herbes un peu hautes sur le côté, et en fait dans ces herbes était caché un assistant réalisateur, et donc le personnage qui avance et qui va se faire abattre, il avait sur lui un système de petits tuyaux qui lui remontait du pied jusqu'à derrière la tête, comme ça. Et donc l'assistant réalisateur, au moment où le personnage finalement s'avance, devait brancher un tuyau et injecter du sang dans le tuyau, et il fallait que ça coïncide avec le moment où il tombe. Et donc là, au moment où il tombait, le sang pouvait sortir du tuyau qui était caché derrière son oreille. Enfin, c'était toute une histoire. Et donc ça a été une séquence particulièrement difficile à tourner pour ces raisons-là aussi. プロデューサーは「いやそんな面倒くさいことせずカットを割った方がずっと簡単だよ」と言ったんですけど「すいませんここはずっとワンカットのロングショットで撮りたいんです」って、まあ、僕が強く言い張ってその面倒くさい撮影になりました。Et si on a dû avoir recours à quelque chose d'aussi compliqué, c'est parce que je tenais vraiment à ce que le plan soit tourné en plan séquence. Le producteur m'a dit, mais si on coupait et qu'on passait à un autre plan, ça serait beaucoup plus simple, on pourrait... voilà. Et c'est moi qui ai insisté vraiment, parce que je tenais absolument à ce que toute la séquence soit tournée en un seul plan. Alors, dans vos films aussi, il y a une chose dont vous n'avez pas peur, c'est de mettre des choses dans le plan que le spectateur risque de ne pas voir. C'est-à-dire que vous prenez le risque de faire rater, enfin, que certains spectateurs ratent des détails importants. Bon, je pense à un film que vous avez fait avant, je crois que c'est dans Dor 3, où il y a une silhouette en profondeur de champ, dont on pense que c'est un fantôme, mais en fait, on peut ne pas le voir, on peut ne pas comprendre qu'en fait, c'est un élément important dans le récit. Et là, évidemment, il y a la séquence finale dans le restaurant, où je ne sais pas si tout le monde a vu ce que faisait la serveuse dans la profondeur de champ. Est-ce que vous voulez qu'on demande à la salle s'ils ont... qui a vu ce que faisait la serveuse à dans le dernier plan du restaurant? そうですねいやなんであんなことしたのかなでもあの頃はそういうのが好きでしたつまり何かっていうと全員が分からなくてもいいでも分かった人にとってはさも自分が見つけたかのようなまあ快楽があるんじゃないかと思って。C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien faire ce genre de choses parce que j'avais conscience que tout le monde ne le verrait pas forcément, mais que ceux qui l'avaient vu se diraient « moi j'ai vu » et qu'ils auraient l'impression qu'ils avaient découvert quelque chose. Et je crois qu'il y a une jouissance à se sentir privilégié d'avoir vu quelque chose que tout le monde n'aurait pas vu. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais ça à l'époque. Moi je sais que si on me dit que j'ai raté un truc dans un film, je vais le revoir. Donc comme ça, ça permet aux gens de revoir les films. Ah. C'est pas lâché. Très bien. Alors peut-être...ただやっぱり映画の大きなスクリーンで見ていただければかなりの人が分かってくれるだろうと信じて撮っていました小さなね例えばスマートフォンで見てもまあ多分それはもう 100%100 人誰も分からないとは思うんですけどまあ映画いろんなところを客の視点見ている人の視点を、いろいろ変えて、見る人によっていろんなところが見れるっていうのは、この映画というもののまた一つの大きな特徴だと思っています。Je crois aussi que je fais des films que j'ai envie qu'on puisse apprécier sur grand écran. C'est-à-dire, évidemment, des détails comme ceux-là, si on les regarde sur un écran de téléphone ou sur une tablette, on est sûr de les rater. On ne peut pas les voir, je pense, même physiquement, c'est quasiment inaccessible à l'œil. Mais je trouve l'idée assez réjouissante de se dire que 100 personnes qui vont voir un film ne verront pas forcément le même film, mais que tous réunis, quelque part, ils auront pu voir le film quasi intégralement. Et donc, je crois que c'est aussi l'expérience de la salle, l'expérience du film en salle que j'aime aussi dans l'idée. Alors peut-être avant de laisser la parole à la salle pour 2 ou 3 questions, juste une dernière chose qui est très frappante dans le film, c'est la direction artistique. Vous avez trouvé des lieux absolument... Alors, est-ce des lieux incroyables, ces pièces inondées d'eau, enfin, on sent l'humidité. Enfin, il y a une dimension expressionniste dans le film, donc on voit bien que c'est aussi l'expression d'un monde psychique, le décor, les décors dans lesquels évoluent les personnages. Et donc, je voulais savoir comment vous avez travaillé à trouver ces lieux, où à les construire, enfin voilà, comment... un petit mot sur le travail de la direction artistique. Yeah, hi, これはね、今はもう全てそういうところはなくなってしまいましたが、結構東京の近郊あるいは東京の中心に、ああいう、まあ、いわゆる廃墟ですね、まだあったんです当時、でそういうところを好んで使いました。理由は2つです。一つはそういうところはやっぱり撮影しやすいわけですね。普通の家の中水浸しにしたらまあ怒られるわけですけど、まあ、廃墟ですとまあ水浸しにしても怒られないということ、それとやっぱりこれはもう今撮っておかないともう来年にはもうなくなるかもしれない、そういう建物ですから、まあもうせっかくそこが建っているうちにとにかく撮ってしまおうということで、そういう場所が選ばれた、まあ、そういう時代だったということが大きいと思います。今はもう少なくとも東京の近くにはもうほとんどなくなってしまいました。Je crois qu'à travers ces décors, quelque part, on a aussi une certaine idée de l'époque à laquelle le film a été tourné. À l'époque, à Tokyo et dans la banlieue proche de Tokyo, on trouvait encore beaucoup de lieux comme ceux-là qui, quelque part, sont des lieux en ruine. En fait, c'était des lieux qui étaient déjà désaffectés. Et donc, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que, par exemple, inonder une maison habitée d'eau, je pense que très vite, on se fait gronder. Alors que là, dans un bâtiment en ruine, on peut mettre de l'eau où on veut, personne ne nous dit rien, donc c'est très commode. Et puis l'autre chose, c'est que c'était des bâtiments qui étaient amenés à disparaître dans un futur très proche, on va dire. Et donc, j'avais cette envie de les filmer tant qu'ils étaient encore debout. J'avais envie, quelque part, de garder une trace, quelque part, que ça puisse servir de témoignage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Tokyo, on ne trouve quasiment plus, je pense, ce genre de lieu. Donc, c'est pour ces 2 raisons-là que j'ai eu envie de les filmer à l'époque. Alors, est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions ? Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais d'abord, petit détail, vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu à Tobe Hooper et de nous avoir permis de revoir ce grand film qu'est Spontaneous Combustion. C'était très impressionnant de voir ça à la Cinémathèque. J'espère que ça aura donné des idées de rétrospective complète. C'est entendu. Une question d'ordre plus... technique, j'allais dire. Il y a quelque chose que je trouve très impressionnant dans ce film et dans beaucoup de vos films, c'est la durée des plans qui est toujours extrêmement singulière, passant de plans qui peuvent être parfois extrêmement longs à des coupures très nettes et des plans très courts. Je voulais savoir si cette durée était quelque chose que vous travaillez longuement sur le tournage. Est-ce que tout ça a été chronométré ? Ou est-ce que c'est aussi des découvertes du montage? Enfin, voilà. Est-ce que vous pourriez parler de cette notion-là de la durée? Merci beaucoup. まず、トビー・フーパーのことにそう言っていただいて、トビー・フーパーさんに成り代わって本当にありがとうとまず申し上げておきます。La première chose, c'est merci pour ce que vous avez dit sur Tobe Hooper et on va dire qu'à la place de Tobe Hooper, je vous remercie pour lui. で、そうですね、はい、僕の場合Cureは多分、まあ、相当ワンカットを長く回したりしていましたが、ほとんど全て、ああいうふうに編集するつもり、最初からああ使うつもりで、あのように回したと思います。まあ、だからさっき言ったみたいに、警官がこう撃たれるところでも長く回すので、仕掛けが非常に厄介になったりしたわけですけど、まあ、それにしても今見ると随分長く回したなというは思いますが、当時そんな異常なすごく変な特殊なことをやっているという感覚はありませんでした。まあ、短いカットは短いですし、長いカットはまあ長いカットとして、それはそれで映画で十分成立するものだと信じてあのようにしていました。Pour ce qui est de la longueur des plans, quand même, je crois qu'on était entré sur le tournage en ayant déjà une idée assez précise de ce à quoi le montage ressemblerait. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la séquence de l'agent de police qui se fait abattre et où j'avais envie que ce soit un plan séquence et où donc là on a tourné effectivement assez longuement alors qu'on aurait pu effectivement aller à la simplicité. Mais c'est pour ça qu'il a fallu qu'on trouve des astuces. C'est parce que je savais déjà que ce plan-là, je voulais que ce soit un plan long. Les plans courts sont assez court. J'avais pas le sentiment à l'époque de faire quelque chose de si qui sortait tellement de l'ordinaire. C'est vrai que maintenant que je revois le film, je trouve que les plans sont très longs parfois, mais à l'époque, en tout cas, j'avais pas le sentiment de quelque chose d'exceptionnel. Je crois que je l'ai fait finalement assez naturellement. 僕もカットの長さがの平均が一体何秒なのか何分なのかというのはよく分かりません。短いのは短いし長いのはいくらでも長くて自由だと思ってるんですけど、でもひょっとすると僕は日本の相米真司という人の助監督をやっていたという経験があるので、ご存知の方はいると思いますけども、相米真司というのはものすごくワンカットが、まあ、10分とか平気で超えるぐらいワンカットが長い、まあ後で編集でもすごい困るんですけども、そういうカットを取る人の助監督についていたので。あんまり僕の3分ぐらいのワンカットは別に長いとは思わないという、まあ、特殊な感覚になっていたのかもしれませんね。Je dis, j'avais pas l'impression de faire des choses exceptionnelles. Il y a peut-être deux raisons à ça. La première, c'est que je crois que j'ai assez confiance en le fait qu'un plan peut tenir et qu'on peut faire un film avec des plans de durée variable, dont des plans très longs, et que ça peut faire un film. Et je crois que le deuxième aspect, c'est que j'ai été l'assistant réalisateur d'un réalisateur japonais qui s'appelle Shinji Sômai. Et vous le connaissez peut-être, c'est un réalisateur qui faisait des plans qui pouvaient durer parfois, des plans séquences qui pouvaient parfois durer jusqu'à 10 minutes. Et donc je ne connais pas la moyenne de mes plans à moi en termes de durée, mais je dirais que même un long plan séquence dans mes films, c'est peut-être 3 minutes. Et comparé aux 10 minutes de Shinji Sômai, c'est vraiment rien du tout. Donc je crois que quelque part, ça me semblait assez normal. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour les insomnies que vous m'avez fait avoir avec vos films. Parce que du coup, j'étudie sur certains de vos films pour un mémoire et j'avoue que des fois, je dors assez mal. Du coup, je voulais vous poser une question sur comment vous élaboriez votre mise en scène sur tout l'aspect onirique et je dirais presque de vision cauchemardesque qu'il y a dans vos films. Donc, déjà particulièrement dans Cure, mais aussi dans Kaïro, avec par exemple ces formes de personnes mortes, mais qui ne sont plus là, qui sont juste une sorte d'ombre sur un mur. Et donc j'aimerais savoir comment ces idées vous viennent, et voilà, en gros c'est ça que je voulais savoir. Merci. Oh. そうですか。徹夜して論文を書いてらっしゃるが大変ですね。じゃあちゃんと答えなきゃいけないわけですね。僕はここで。カイロ、いやそういう、まあ、カイロに限らずそういう、まあ、ホラー映画の一種のその映像的ななんていうんですかね、直感みたいなものはあまり自分でもどこからそれが湧いてくるのかよく分かりません。多分何か昔見た映画とか、を参考にしてそこから自分の中で勝手にそれを少し変形して作り上げているんだろうと思います。あんまりそういう意味で全て出所はどこかよくわからない自分の直感でなんとなくこんな感じは怖そうだとかこうやったら面白い、こんな映像にすると見てる人はすごく興味深く見てくれるんじゃないか。割とそういう単純な原理で全てやっていると思います。Alors vous dites que vous avez fait des nuits blanches, mais c'est parce que vous écrivez un mémoire que vous avez fait des nuits blanches. En tout cas, je me sens obligée de vous répondre très sérieusement et très précisément. Mais pour ce qui est, on va dire, de l'imaginaire, ou en tout cas de d'où viennent peut-être ces images un peu cauchemardesques que vous évoquez, je dirais que c'est quelque part quelque chose d'assez instinctif, c'est-à-dire j'ai moi-même vu des films qui ont probablement imprimé mon imaginaire et peut-être que je les transforme d'une certaine manière. Je crois qu'instinctivement, je me dis, ah, peut-être que si je montre ça, ça va susciter la curiosité, l'intérêt d'un spectateur. Et donc, je pense que c'est toujours ce principe-là que j'applique en premier, c'est-à-dire... peut-être voilà, le montrer comme ça, ça va probablement susciter une émotion chez le spectateur et donc à partir de là, j'essaie de le formaliser. ただもちろん僕が映画僕一人で作ってるわけではないので、僕がなんとなくこんな感じかなということを元にして、撮影監督、美術、あるいは場合によってはそれに手を加える CG クリエイターのような方がさまざまにそこから発展させてある、最終的な映像になっていくんですが、それは僕がなんとなく頭の中で思ったものをはるかに超える、僕でさえびっくりするような、なんでこんなことになってるのか、あ、僕が言ったからだっていうようなことはよくあります。ですからこれは映画の面白いところですね。いろいろな人の力が加わって、多分たった一人の発想ではできないようなものが、最終的に構築されていく、僕はその単にきっかけを作っている、これは本当映画作りの面白いところだと思います。Cela dit, je ne fais pas mes films tout seul, c'est-à-dire je travaille toujours en équipe avec un chef opérateur, voilà, il y a toujours une équipe déco, il y a souvent des gens qui travaillent aux effets spéciaux maintenant, et quelque part moi j'ai l'idée de départ, c'est-à-dire je vais évoquer une idée très vague et à partir de là chacun va apporter sa pierre quelque part pour construire cette image qui était très vague que j'avais en tête au départ, et je crois que ça c'est vraiment un des intérêts principaux, on va dire, de faire des films, c'est que c'est un travail collectif et donc quelque part c'est un imaginaire collectif qui contribue à créer des images que j'avais moi au départ, mais finalement le résultat a tendance à surpasser, à dépasser de beaucoup ce que j'avais imaginé, qui n'était qu'une simple intuition au début. Donc je crois que ça c'est vraiment tout ce qui fait l'intérêt de faire des films, c'est qu'on peut travailler avec d'autres personnes et que donc à partir de là naissent des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Je crois qu'il faut remercier Kiyoshi Kurosawa. On s'arrête là pour ce soir. Et alors, on a un petit cadeau pour vous, Kiyoshi. Voilà une plaque à votre nom, mais qui a une signification. Désormais, à partir de ce soir, il y a un fauteuil de la salle Auré-Langlois, de cette salle-là, qui portera votre nom. Ouais. いや、生きているうちにこんなことが起こると思わなかったです。Je ne pensais pas vivre ça de mon vivant précisément. Merci beaucoup, merci.